Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour No Life et bienvenue sur ce 10e live de Shenmue 3. Ah oui, ça y est, je me souviens. Effectivement, on avait trouvé le fameux manuscrit la dernière fois. On était allé au bon magasin, mais il m'en avait demandé pour 5000 yuan. What's this? It's Flower, Bird, Wind and Moon. Alrighty then, place your bet. Ah oui, Paris Max, 1000. Alright. Place your bet. Flower, bird, wind or moon. Jaune. Here we go. Allez bien vous faire mettre les 10 heures de bonne aventure. Looks like the house wins. Wanna play again? Aussi ça, hein. Vendre. Objet. Vas-y. Fais-toi plaisir. Ah bah c'est bon, 4100 je sais pas quoi là. 199. Voilà, 5485. Je mets un petit peu d'extra. I'll take these off your hands. Come. Allez, je vais essayer de me dépêcher pour acheter le manuscrit avant demain là. Mais bon, je retrouve plus le chemin, donc ça va être compliqué. Alors là, de toute façon. Je vais la raccourcir par le port, mais bon, le temps d'arriver au port. How about this one? You've got a good eye, kiddo. This sets a new arrival. I just okay, what the fuck? Wow. Really? You'll land so many fish, you'll forget the other rods exist. Of course, it's more expensive than the rest. So, j'ai mieux à me payer pour l'instant. Ok, ça s'est déclenché, je sais pas pourquoi. Mais ça fait deux fois que j'ai le tour avec un magasin de pêche, ceci dit. C'est... Je pense qu'il y a des cutscenes qui se déclenchent quand on a une certaine somme d'argent. Vendeur, New Paradise, c'est de quel côté? Voilà. J'ai une mémoire de poisson rouge. Bon, éventuellement, il y aurait peut-être des poissons rouges qui seraient jaloux de moi, mais... Alors, donc ça c'est le restaurant de canard laqué. C'est là, non? Ouais, c'est ça. Alors, je sais plus où est son manuscrit qui coûte une fortune, mais de toute façon, faut peut-être aller lui parler. Excuse me. Have you returned for the reverse body check? Oui. It is yours for 5,000 yuan. Will you make the purchase? Si jamais tu m'arnaques, de toute façon, je te marche sur le pied. Pas compliqué. Alors, c'est ça le truc là, 5000. Allez, c'est parti. C'est con que je puisse pas lui payer 5000 jetons à la place. Tiens. Bon ben voilà, acheter. Mais genre si tu peux en acheter plus d'un en plus, si ça t'amuse.
I'll take it. Hmm, a wise purchase. Now, here's the reverse body check skill book. L'intérêt d'être la technique du siècle. Hi-ya. Shenhua, look. I got the Baji Tren Arcane book. This is the key to beating the Red Snake's boss. That's great. Just don't push yourself too hard. Mais je vais m'entraîner pour me perfectionner du coup, non? Just bought it. Now comes the hard part. Making it mine. I suggest, Leo, that you should rest up today. Bah, de toute façon, il est 9h du soir, mademoiselle Shenfa. Donc, Ah, là, il est 11h même. Bon, bah d'accord. Bon, alors du coup, moi, je vais pouvoir faire ma petite pause. Alors, ouais, je sais, ça... J'aurais fait... un peu moins d'une heure 49 de jouer à un jeu de hasard à la con, mais tant pis, c'est Shenmue qui veut ça. On connaît la rengaine. Si vous connaissez pas la rengaine au bout de vers la fin de Shenmue 3 de toute façon, et ben c'est que en fait vous connaissez pas ni ce jeu là ni les deux premiers. One of the eight big lures of Baji Tren. Reverse body check, huh? Hey, the last page is missing. What the? What are we gonna do? Perhaps Grandmaster Bei will know what was on the last page. I'll try asking him. Bah, si c'est le cas, c'est un élément scénaristique totalement inutile, mais... Reverse body check. A signature move of Baji Tren. One of the most powerful moves in Chinese martial arts. The last page is missing. Ah, il est en train de pleuvoir sur le manuscrit, là. Please, Grandmaster. When we sparred, you showed me a few Baji Tren moves. Who taught them to you? My father and Grandmaster Tao Li Shao. Tao Li Shao. I'm familiar with the name. Seems you have a knack for Baji Tren. Please show me. I could teach you more, but if you lack Kung Fu, its power will be halved. I understand. Do you? Honestly, I don't think your kung fu is strong enough. Grandmaster, The White Dragon of Wushan Hall. Huh? The trainee in front of the hotel is quite strong. Try to beat him. The White Dragon of Wushan Hall. If you beat him, I'll acknowledge your kung fu. Ok. Je pensais qu'il fallait le battre lui directement. Bon, bah. Eh bien, écoutez, je vais faire ça donc après la pause qui s'impose. Donc, comme d'habitude, on se retrouve dans au moins 10 minutes. À tout à l'heure. Et me revoilà. Donc, il faut aller voir un mec là, je sais plus où, dans l'un des temples. Aller au Wushan Hall. Attendez, un truc qui... C'est bizarre avec mon portable, j'ai l'impression qu'il a un énorme retard sur le live.
Si c'est pas un retard, c'est que il est en totale contradiction avec ce que je montre sur sur OBS. Et ce serait un bug très étrange, donc je veux m'assurer que ce soit pas le cas. Oui, parce que mon portable, hein, je mets le live dessus pour m'assurer qu'il tourne bien. Ouais, non, c'est bon. Hop, on est bon. Carnet, oui. C'est ça, si tu vois le carnet, c'est que c'est normal. Allez au Wushen Hall. Alors, ça, je ne sais plus c'est lequel, le Wushen Hall, donc on va devoir tous les revisiter. Jamais si celui-là, bah, c'est un énorme coup de chance, là, mais... Ah si, c'est lui. Oh bah dis donc, incroyable. C'est celui qui est à côté. Excuse me. Greetings, Mr. Hazuki. Is your training going well? Sort of. Wonderful. Anytime you wish to sharpen your skills, you're welcome to do so here. Eh bien, justement. The gates of Wushen Hall will always be open. Je sais pas si sur quel bouton qu'il fallait appuyer aussi, donc. Excuse me. Have you come to train? You can practice your kung fu on a wooden dummy, or polish your techniques by sparring. You can also test your skills in a real match. C'est marrant que le mot dummy il sert aussi à pour les mannequins. Bah oui, mais je dois sélectionner quoi moi pour Le tigre blanc là ou je sais plus quoi. Do you want to have a match? Your next opponent will be Blue Wolf. Bah oui, mais non. J'ai au moins essayé de mettre sur la technique que je dois que je viens de d'acquérir là, histoire de me la perfectionner. Pied en spirale, ça je connais par cœur. Le blanc est le 9ème. Et ça veut dire qu'il y a plus de douane sur ce temple là que celui du village alors. Et je peux pas sélectionner la technique là qui m'a coûté 5000. Ah oui, il y en a 10 ici, c'est pour ça. Je vais le faire bouffer un peu déjà. Ah, mais j'aurais peut-être dû aller dans les menus là. Putain, qu'est-ce que c'est con ça aussi. Et ça, j'aurais dû aller dans les... Attendez, ils sont où ces menus là des... Voilà, alors attendez. Donc tout ça, je suis maître. Mais... Hop, il y a une nouvelle technique là. Quoi? Coup de genou intérieur? Mais non, c'est le truc inversé, je sais pas quoi là, que je dois apprendre. Faut peut-être attendre le 9ème Doan pour le truc inversé. Je sens en tout cas je suis pas maître, je suis niveau 1. Pour les techniques c'est chiant, ouais c'est... Voilà, de toute façon je peux améliorer ceci, donc en attendant je vais améliorer ça. Hein. Le coup de genou intérieur. Ah, casse-toi. Voilà. Oui, d'accord, merci.
Et alors, la technique qui m'a coûté une fortune là. Paume du tonnerre, non, on s'en fout. Tigre brutal, uppercut, lame tranchante. Ah, en même temps, il manquait la dernière page pour l'autre là. Mais tout ça parce qu'il manque une page, je peux pas. Je peux même pas m'entraîner à moitié dessus. Donc en gros, j'ai dépensé 5000 pour des conneries quoi. J'adore comment Ryo il passe son temps à se faire arnaquer, c'est incroyable. Il peut devenir un sacré con lui en vieillissant s'il apprend la vie comme ça, je vous le dis. Putain, limite ça donnera envie d'acheter d'autres manuscrits histoire de pas perdre de temps en attendant le. Alors c'est quoi le bouton là? Coup de genou intérieur. Ah merde, c'est les combats d'entraînement où. Oh, ils font chier. Là du coup j'ai pas les boutons. To fourth dawn. I have to admit, you have some impressive moves. Bah, il est plus impressionné que le grand maître. Attends, c'est pas écrit les boutons? XB. Je vais toujours m'amuser à faire XB, mais je vais pas progresser dans ce truc là en même temps, c'est con. Oh ouais, bah merde. Excuse me. Have you? Allez, file-moi un gars, n'importe qui, je m'en fous. J'ai même pas besoin de savoir comment il s'appelle, je juste lui foutre des coups de tatane et puis on n'en parle plus. En fait, c'est marrant parce que au début que j'étais arrivé dans cette ville-là, j'étais direct allé dans cet endroit-là. Et c'était le même niveau, je pense, pour les combats que ce que j'avais fait au village. Et que c'est pour ça que j'avais pas continué. Ouais, au moins ça aura servi à quelque chose d'avoir passé du temps à m'être entraîné sur les machins en bois là-bas, là. Oh, putain, par contre, ça lui donne une de ses fins. Ah, c'est nourrissant, les bananes, mine de rien, c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a toutes ces pommes, j'ai une infinité de pommes de l'hôtel. C'est toujours rigolo ça. A fight, hein? Let's see. Red Dragon will be your opponent. Je comprends pas, il y avait pas déjà au moins 6 douanes à Bailou au village là. Bizarre ça. Waouh.
Ah, ça, ça doit faire mal, ça. J'ai fait tomber à terre. Il y en a 5. Il y en a... Bah oui, mais alors, il y en a 5, mais ils m'ont fait commencer au... Ah, je sais plus lequel, là. Il ne semblait pas que j'avais dû recommencer depuis le début, pourtant. C'est bizarre. On recommence de zéro. Ah ouais. Oh là là, tu vas arrêter de bouffer, Ryo, oui. Ouais, allez, fonce. Dragon noir, 7ème douane. Il a l'air dangereux celui-là. C'est vraiment puissant parce que le mec il reste à terre pendant 3 secondes au moins. C'est un coup de pied au cul pour finir, non? What a magnificent fight! You beat Black Dragon, so you have been promoted in rank. Keep it up, warrior. Ça, mine de rien, il me donne des coups et je fais pas gaffe. Allez, avec tout ce que j'ai la flemme d'aller acheter à bouffer. 240-300. Oh, fallait le dire. J'en ai plein de ça. Ça va, faut avouer que le mec est stable. Ah mais c'est fou ça, il reste à terre. J'arrive jamais à retrouver le bouton pour le, l'esquive là, parce que... Ah bah, là à moins d'un gros plantage, personne. Personne ni rien. J'aimerais bien savoir comment de l'ail comme ça, ça peut être aussi nourrissant. 300. Ma fille. C'est un petit peu vrai, c'est... Ah, le v'là, lui, tiens. Je suis en train de tous les enchaîner, mais à part ça, mon Kung Fu laisse à désirer. Bon, en même temps, c'est vrai que je perds des points de vie à côté, donc... Il y a un bouton normalement, l'une des deux gâchettes c'est l'esquive, mais ça se voit jamais, c'est bizarre. Ah, il est un peu plus solide le vieux là. Hein.
Oh, bien. Voilà, de temps en temps, faut que je bouge comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est de l'esquive. Et c'est de l'esquive qui marche, surtout. Allez, droite, droite. Non, non, tu fais, là, de temps en temps, là. Ah, merde, surtout qu'il est sur le point de... Eh, comment ça se fait que je peux pas prendre des bouteilles, là? Tiens, je pouvais pas prendre des bouteilles. And improve your techniques. In other words, you need to train more. Pas forcément les mannequins, par contre, peut-être m'améliorer sur la technique là, que j'ai là. Fuguitong. Non. Voilà. Non, 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 60. Allez, voilà. Allez, faire... D'accord, c'est moins que ce que je pensais. Bon, bref. Le combat d'entraînement. Du coup, ça me saoule d'avoir ce truc niveau 1, là, de toute façon, c'est... You've come to spar, eh? Bon, là, ce sera un mec beaucoup moins fort. Coup de genou intérieur, merci. Vraiment, ça va pas l'air très long pour augmenter le niveau sur ce truc là. C'est peut-être un mouvement de merde. C'est pas le truc le plus cher que j'aurais acheté, mais. Ça avait un petit prix quand même, je trouvais pourtant. C'est... Non, non, XB, pas BX. C'est pas une Citroën hein, que je veux, hein. C'est un coup de genou. De temps en temps, il fait d'autres mouvements en bonus, je sais pas pourquoi. Mon endurance elle est un peu à chier par contre. Ah vas-y, je veux faire le truc à fond là. Et peut-être du coup un petit peu d'endurance. Alors je sais plus c'est lequel des mannequins qui nous fait progresser à ça. Parce que là c'est nul, on progresse même pas pendant les combats. Quoi. Alors que voilà quoi. Mais... Voilà, on va. J'ai déjà passé maître du coup de genou. Alors c'est bizarre, c'est le même combo pour les deux trucs. Donc on est d'accord, hein, tout le reste je suis maître. Là c'est bon, là c'est... C'est écrit parade, mais ça marche jamais.
Allez, on est bon. Oui, oui, allez. Do you want to keep sparring? Non, pas là, il n'y a pas plus besoin. Come again. Je sais. L'endurance, c'est lequel des deux qui... Il y a le coq. Il y a le coup de poing. Ah, d'ailleurs, il en manque un ici. Allez, on... Rooster step, huh? Maybe I'll give it a shot. Ça se fait que j'ai aussi peu d'endurance par rapport au reste, c'est bizarre. On dirait qu'il se prend un Uno, la carte Uno change de sens des fois. Tellement soudain. Ok, bah voilà, ça marche. Yes. En fait, j'ai plus d'endurance que de puissance d'attaque. Oh, les barres de progression sont un peu zarbes des fois. Bon, allez, je refais un essai là, avec lui là. Ah, oui, évidemment. As if you live for the fight. Let's pair you with White Dragon again. He's been wanting to fight you. Have a nice and fair fight. Alors c'est quoi la nouvelle technique là? C'est ça. Il faut que j'esquive aussi un petit peu là parce que... Hein. Waouh. Ah, lui il hésite pas à tourner en rond en tout cas. Hein. Allez, j'ai une chance là.
Allez, maintenant tu... Voilà, tu re-esquives. T'es gentil. Regardez. C'est bon. Oh, you bested White Dragon. That's something I thought I'd never see. Congratulations on another promotion. Alors par contre, une dixième C'est trop d'honneur. Now Master Bay will teach me the technique. I should go see him. À la limite, je vais battre le dixième. Celui qu'on vient de battre est juste à droite. Bon. Allez, va manger toi. Pomme quand même pour finir. Attendez, voilà. Non, attendez. Ah, on va continuer comme ça. Finalement, tiens, je vais pas aller combattre l'autre, mais... Je vais leur faire dépenser de l'argent pour acheter à manger. Grandmaster. I defeated White Dragon at Wushan Hall. So please, teach me the Baji Trend signature move. All right then. You must know the body check before learning this move. Can you do it? The body check is a move where you dodge your opponent's attack and circle around them. Try it on me. Juste, c'est quoi les boutons? On dirait l'autre. Je pensais pas que ça allait être en QTE. Et bah alors, j'ai envie de le faire là.
Alors, pourquoi une espèce de compte à rebours après là? J'ai fait les quatre boutons qu'il a dit. Putain, il y en a marre de ces règles du jeu qui changent en cours de partie. Non, non. Le jeu crée des règles, tu t'y plies, hein. Il fallait réappuyer sur le bouton du bas, là. C'est bizarre, c'est pas indiqué les fois précédentes. Tu veux refaire. Allez, on la refait une fois pour être sûr que. Faut pas de ma gueule là. You may well learn the technique, but if you lack the proper skill, it will not be effective. So you had better keep training. Yes, of course. Thank you. Did you figure out what the Baji Tren signature move is? Yeah. Grandmaster Bay taught it to me. Sweet. This time that bear guy's going down. You, me, 5 p.m. in front of the Red Snake's hideout. Got it? Got it. Par contre, sa voix, lui, elle a changé finalement. À 17h. Ah bah. Avec leur connerie, je me demande si j'aurais pas dû manger avant de. Parce que j'ai pas vu les points de vie. Bah, c'est qui celle-là? We mean you no harm, ma'am. You can trust us. Where did the people here go? I've no idea who you mean. The red snakes that were holed up here. And that guy that looks like a gorilla. Not exactly hard to miss. I had them leave. This land belongs to me, so I had them leave. Do you know where they went? They said they were headed to the old castle. The old castle? The one across the water. They even took a young lady. A young lady? Yo, let's go. Nothing left to do here. Bon, ça sort tellement de nulle part. You there? Huh? I have a letter for you. If you want to save your little girlfriend. Bring the mirror to the old castle. Where's this from? A woman suddenly appeared and left here with your friend. The red snakes got your friend. What, Leo? Come with me.
woman. Is this girlfriend that girl that was with you? I'm going to help her. Now hold it. There's nothing we can do today. Damn. Just sleep on it, okay? Let's meet at the port tomorrow to hatch a plan. Ah bon. I've got to eat something. Non, pas besoin, tu vas te coucher. C'était tellement inattendu. Il vaut mieux que je l'échappe maintenant parce que le lendemain matin, je pense qu'ils vont recommencer la... sur le port et pas ici, donc... Quand même généreux, 4 pommes. The old castle? It's that building right on top of that mountain. It used to belong to nobles that ruled over Niawu. So, Shenhua's there. Hey. What's that? Huh. Une réplique. Comes down to it, I can bribe them with it. No way. What would happen to Shenhua if they found out it's fake? Get in the game, would you please? That mirror is the key to the treasure. I can't go along with that idea. Whatever. In any case, we need a boat to take us across. You get the boat ready. Fine. What will you do? Oh, I've got a little something in mind. When you're ready, come to the second floor of the ferry terminal. Got it. Prépare un bateau, genre j'ai un bateau sous la main. Excuse me. Do you need help? I'm the tour guide for Niawu, so I can help you find just about anything. I need your help with something. Is there any way to get to the old castle? That's a tall order. That site currently isn't available to tourists. I see. Mm-hmm.
J'aurais peut-être aller de l'autre côté du port, justement, il y a les bateaux là. Pardon me. What you need? Is there any way to get to the old castle? That's got nothing to do with me. I really don't know though. I see. Excuse me. Oh, there go my knees acting up again. Looks like I'm getting up there in my years, too. I'm trying to get to the old castle across the water. Would you mind if I borrowed your boat? To the castle, you say? I'm afraid my boat sprung a leak. You can't fix it? It's being fixed, but who knows when it'll be ready. I'm sorry. Could you ask someone else? I see. Excuse me. Stay out of the way. We can't have people loitering while we're trying to fish. There's something I want to ask. Is there any way to get to the old castle? I don't know. Anyone who can get over there has probably gone to fish. I see. Excuse me. Mm-hmm. Can I help you? I'm trying to get to the old castle. The castle, eh? Sorry to say, I've already promised someone a ride. Sorry? I got the money up front, so I can't take the boat out now. He's some rich guy from somewhere. He's taking his sweet time, too. Sorry, but you're gonna have to ask someone else. I see. Excuse me. Are you a fisher too? You can have my spot if you want. Actually, I have a question. Is there any way to get to the old castle? I've never heard of it. Anyone who can get over there has probably gone to fish. I see. Peut-être devoir attendre comme une cloche. Excuse me. Not even a bite. Huh? Are you here to fish too? I'm trying to get to the old castle across the water. To the castle? You should ask a fisherman then. They'll take you across. It's not free though. Thank you very much. Excuse me. Here to see the cormorant fishing. I'm looking for a boat to take me across the river. Could you lend me one? Well, I guess I have my little raft here, but is it just going to be you? No. One more person, actually. In that case, I can't help you. There's barely enough room for me and my cormorant. Any more, and we'd sink before getting to the other side. I see. I really need to cross the river, though. Any ideas? Ask somebody with a boat. Okay. Thanks. Excuse me. Fishing is nice. Drop the line, watch the surface. What a way to spend time. I'm trying to get to the old castle across the water. To the castle? You should see if the fishermen with boats can help you. If you're paying, they'll give you a ride across. Thank you very much.
Excuse me. What is it? No fishing today. I want to cross the river. To the other side? Bon, ça, y a pas de pêche aujourd'hui. Yeah. Could you lend me your boat? Whoa, slow down, kid. Lijiang River is no joke. Huh? A river this big would swallow up any raft us cormorant fishermen use. Really? These rafts are only good for gentle, shallow waters. If you want to get across, you're going to have to find a boat. A boat, huh? So, where can I borrow a boat? Can't say I do. I see. I can't find a boat that'll get me across the river. I should ask Mr. Bay. Mais lui, on l'a pas vu. On dit c'est lui là qui est réapparu. Demain vous prendrez d'assaut le vieux château. Une fois au vieux château, pas de retour en arrière possible. Continuez, ben oui. Excuse me. I need to cross the river. Could you lend me a boat? What for? The Red Snakes have someone I know. I have to get her back. Please, I'm running out of time. Are you asking me to knowingly send you into harm's way? I just... No one should set foot inside that castle. It is a stronghold of the wicked. Huh? You're not ready. It won't be like fighting one or two of those red snakes. I don't care. I have to go. I see you have no intention of listening to me. So? So I'll prepare your boat. Thank you very much. Wait a while. I'll have the boat ready by morning. Got it. Thanks again. Bon, je vais aller dire ça à Rain du coup. Hey Rain. Hey, you find a boat? Yeah. Grandmaster Bay agreed to help. Another old geezer. He said he'd have the boat ready at the fishing wharf in the morning. Tomorrow morning, huh? All right. Château, c'est la troisième zone. Apparemment, tous nos amis sont venus nous dire au revoir, je ne sais pas. Shirling, what are you doing here? I asked them to come. Huh? Hmm.
Tout ça sur le bateau de Lot. Bon bah si pour une fois on peut vraiment être aidé au combat avec des amis hein. Et donc du coup le château finalement il va y avoir plusieurs choses à faire. Listen up. Miss Shrine Maiden here will watch the enemies from this point. You stop the enemies here. Old man, Ryo, you two infiltrate the hideout. And what about you? Me? I'm guard duty with the maiden. Just kidding. Lighten up, will ya? I'll just have to go to the old castle, right? Okay, already, I'll go. Le château, c'est le chapitre 8 de Shenmue. Il y avait combien de chapitres au final? Entre 11 et 16. Ah ouais. Bon bah du coup l'existence du château c'est pas à raccord avec ce qu'on avait vu la semaine dernière. Donc 18h06, j'aurai probablement pas le temps de refaire une journée là-dedans. Là je sais pas du tout ce qui va se passer. Donc il vaut mieux que je remette ça pour un prochain live. Du coup il a sauvegardé au château ou pas là? Non. Bon voilà. Alors la semaine prochaine je sais pas... trop quand, enfin selon là où il y aura le plus de disponibilité pour les gens, bah, il y aura du coup un troisième live de mode de Sonic Roblast 2. Mais après, à part ça, il y aura peut-être moins de live du confinement genre la semaine prochaine parce que je vais m'attaquer à une vidéo, enfin je vais probablement m'attaquer une vidéo, disons que j'ai eu une idée. Enfin, de toute façon, je devais faire un truc, mais je savais pas. Pour une occasion, mais je savais pas quoi faire. Et là, j'ai peut-être trouvé une idée, mais je verrai bien si je vais exploiter cette idée pour ce que je voulais faire à la base. Ou que je vois ça. Bon, ben voilà. En attendant, ben je vous dis tout simplement, cordialement, bisous.